Chers amis, shalom uvracha. Alors, je voudrais que aujourd'hui nous avons aussi une question qui nous vient de Yosef. Yosef nous pose une question. Comment protéger ses yeux lorsqu'on marche dans la rue, en sachant que aujourd'hui toutes les rues sont de façon, il y a beaucoup de gens qui se promènent et qui ne s'habillent pas très très bien. Donc, comment on fait pour protéger ses yeux quand on se promène dans la rue? Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas seulement les personnes qui se portent bien. Il y a aussi dans les magasins, il y a aussi des photos qui sont dans les rues. On est aujourd'hui tellement agressé de toutes ces photos qui sont un petit peu de femmes dénudées, etc., etc. Donc, comment on fait justement pour protéger ses yeux et réussir à vivre normal comme tout le monde et ne pas rentrer dans des problèmes de yetzer hara, etc. Alors, vous savez une chose, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Tout d'abord, il faut éviter d'aller et de rentrer dans des endroits qui sont un peu balagan. C'est-à-dire, on a une mitzvah, c'est-à-dire que quand vous savez qu'il est marqué dans la Gemara, il est répété quand une personne se marche dans la rue et qu'il voit qu'il y a une femme devant lui, donc il doit tourner le trottoir. C'est sûr qu'on doit s'enfuir un petit peu du Yetzara. Si nous savons que dans tel endroit, il y a des magasins qui ont des photos un peu balagan, donc il faut éviter de se promener là-bas, il faut changer de direction. Maintenant, c'est clair qu'on n'est pas censé de connaître tous les magasins et tous les imprévus qu'il peut avoir des femmes qui passent devant nous. Donc quand il y a des choses qui passent devant nous ou alors il y a des imprévus, ok, bah c'est tourner la tête, c'est baisser la tête. Maintenant, il y a une troisième possibilité, troisième moyen pour réussir l'histoire, c'est tout simplement à savoir qu'il faut avoir la tête occupée. Maintenant, c'est vrai qu'il est marqué que En Adam Balede Avera, Ela Panoui Menachorma. Une personne, quand est-ce qu'il fait une Avera, quand est-ce qu'il réfléchit, il pense aux Averot, c'est quand il est Panoui Menachorma. Ça veut dire qu'il est. Sa pensée, elle est libre de Chorma. Il pense à rien. Donc, quand il n'y a rien, tu penses à rien, tu t'ennuies. Alors, Yetzara, il arrive et tu commences à réfléchir, à faire des Averot, etc. Maintenant, si une personne, elle est occupée. Si on parle d'un Tamit Racham qui est occupé dans sa Sugia à comprendre et tout ça, ou alors de faire des Teilim, ou alors d'être occupé par la pensée. Regardez quelqu'un qui a la tête très occupée dans son travail. Il n'a pas le temps de faire des choses. Il n'a pas le temps il fait même pas attention à ce qui se passe autour de lui. Donc il peut franchir, il peut marcher n'importe où. Il ne voit rien du tout parce qu'il est tellement très occupé. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est que même si maintenant on sait qu'on doit aller quelque part et on veut faire attention à préserver nos yeux, etc., c'est d'être occupé. D'être occupé, tout simplement. D'être occupé de faire un Dvar Torah, d'avoir une idée de Torah, ou alors une pensée de Emouna, etc. De réfléchir à Kadosh Baruch Hu, de penser à Hachem. Et à ce moment-là, ça nous protège. Parce qu'on est préoccupé à penser à autre chose, donc on n'est pas là. C'est vrai que le corps, il est là, mais l'esprit, il est autre part. Et ça, vous savez que ça, c'est une règle, c'est une formule qui était toujours chez nos sages, que ce soit pas dans la Deuxième Guerre mondiale, plein de tzadikim et tout ça, ou qu'ils n'ont jamais vu des choses qui passaient devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient imprégnés dans l'étude. Ils étaient toujours en train de réfléchir des divrei Torah et très proches d'Akadosh Baruch Hu. On peut dire par exemple des Tehilim, on peut dire des choses et ça protège. Mais non, il faut savoir qu'au niveau de la halakha, c'est clair que quand est-ce qu'il y a vraiment un problème de halakha ou que la vue peut vraiment, c'est-à-dire infecter la neshama, c'est uniquement si une personne, elle regarde pour profiter de la chose. Mais s'il est justement un aperçu, c'est-à-dire sans faire exprès, j'ai vu, et j'ai fermé les yeux tout de suite comme ça, là, il n'y a pas de problème, parce que je n'ai pas laissé l'histoire. Mais non, c'est vrai que... Mais si, par exemple, maintenant, je viens, je regarde, alors je dis, ah, une chose qui est passée. Après, je veux voir si vraiment c'est passé encore. Et je me retourne, et alors là, je commence à regarder et à profiter, etc. Là, ça pose un problème. Alors, Zahir Hatzom Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous donne la siyata d'Ishmaïa de préserver nos yeux, parce que sachez que qu'en préservant nos yeux, c'est justement le secret pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. D'où je sais ça, comme il est rapporté dans le schéma Israël, il y a marqué Vayomer Hashem Menevoshemo, Vayomer Ben Israël, Vayomer Varsoul, Vayomer Ben Israël, Vayomer Varsoul, Vayomer Ben Israël, 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 Vayomer. Pour se rappeler de Kadosh Baruch Hu, il y a marqué les yeux, ils sont toujours en train de voir à droite et à gauche. Préserve tes yeux et c'est comme cela qu'on pourra se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous donne les kochot pour justement préserver nos yeux et se servir de cette vue que pour de bonnes choses.
et l'atzlacha dans la Avodat Hashem. À très bientôt.